Eh bien écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina 820 Gaming. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle découverte sur PS4 Pro. Il s'agit de Quest for Infamy. C'est un jeu qui va sortir le 4 mars 2022 sur toutes les plateformes. C'est un RPG rétro, donc développé par Infamous Quest et édité par Ratalaleka Games. J'espère que je m'excuse pour la prononciation, que je remercie pour m'avoir offert le jeu. Le seul souci dans ce jeu, c'est... Moi, j'ai accepté la clé quand on me l'a proposé parce que je voyais RPG rétro. Moi qui suis une ancienne joueuse, ça pourrait me plaire. Mais le souci, c'est que le jeu n'est pas traduit en français. Donc un RPG non traduit, pour moi, le problème de la langue va faire barrage. Donc... Je vais pas le faire en live, je vais me contenter d'une petite vidéo parce que je pense qu'un live c'est inutile. Je fais une petite vidéo parce que je me dois de le présenter quand même, mais je pense que j'avancerai pas beaucoup. Alors vous voyez déjà, j'ai Prélude to Infamy, Start New Infamy, Restore Infamy. Alors je sais même pas ce que je dois choisir. On va jouer Prélude, je sais pas. Je sais pas puisque c'est pas traduit. Oh, oh my. Oh, stop it. Stop it, Ice. You're so wicked. Oh, stop it. I said no. Alicia, what's going on in there? Shh. It's my father. Nothing, Daddy. Open this door at once! But Daddy, I'm changing! I'm coming in! You have to go! But I've just got my boots off. Don't get cheeky now, seriously. My father will kill Daddy! Alicia! Daddy, no! Why, you devil? I'll kill you! That wasn't my fault. She tricked me. I'll trick you, devil! Oh, I'm out of here. Bon, il se passe quelque chose dans le château, hein. Une grosse dispute, apparemment. Donc, vous voyez, je fais bouger ce petit bouclier. Est-ce que ça Hello, va être un sir. Point and click? Exhausted, friend. Tell me, where are you going? Oh, I'm off across the mountains. How about you? Bon, il va dans les montagnes. Not at all. We can sing songs together. Great. Ah, je comprends un peu l'anglais, mais je suis pas hyper douée, quoi. Non, c'est dommage. Moi, c'est vrai que quand on m'a proposé ce jeu, je me suis dit tiens, ouais, ce serait sympa, ça me ferait penser aux jeux de mon enfance. Mais je suis un petit peu déçue, hein, qu'il ne soit pas traduit. Donc c'est pour ça que je préfère le présenter en vidéo. Alors, triangle, R3, bon, bah, carré, triangle, carré, ce serait l'inventaire. Triangle, spellbook, L1, R1, tout pour... Oui, bah, de toute façon, j'ai appuyé sur tous les boutons, puis on verra bien. Eh, ça me fait penser au jeu de l'époque. Well, here you go. Is this okay? Yes, this is fine. Thank you. Non. Why, thank you, sir. Well, I'm off. Head north to the castle. Maybe I'll see you again sometime. It just may. Farewell, sir. Bon, il m'a déposé là, merci. Alors, est-ce que je vais juste là, c'est une tête de mort. Est-ce que je vais me déplacer qu'avec ça? Hello, my friend. Welcome. Welcome to the town of Vauxville. I trust your travels were not too unpleasant? Just fine, thank you. Excellent, excellent. My name is Udo. I am a seller of rare and precious trinkets, as well as a great source of news for the town and all across the valley. You mean you're a gossip? Eh, call me what you may, as long as you call me friend. We'll see. C'est même au jeu auquel j'ai pu jouer sur l'ordinateur de mon frère. Anytime you need anything. CPC, c'est un Amstrad CPC 6128, il me semble, son ordinateur.
Et il y avait plein de petits jeux comme ça. Alors là, je dois pouvoir... Voilà, donc j'appuie. Vous voyez, je me déplace là comme ça. En appuyant sur 3. Si j'appuie sur carré, j'ai... La musique est forte. Hein, la musique est forte. Sur carré, j'ai l'inventaire. You unequip your sword. You don't really know why. Place a sword into this slot to receive the benefits of it in combat. You need to select an item to place into your weapon slot. Alors, qu'est-ce qui... Attendez. Ah, est-ce que j'ai mis des choses là? Bah, ah oui, exit. Bon, bah écoutez. You don't have any magical ability. D'accord. Bah, je vais aller par là, je sais pas, je vais aller n'importe où, hein, parce que... Aller là. Alors, est-ce que c'était triangle pour parler aux gens? You don't have any magical ability. Non, alors, d'accord. Elle... Ah, il se baisse, vous voyez, quand j'appuie sur R2, il se baisse. Là, c'est pour... Est-ce que... From the looks on his arms and the hammer in his hands, he looks like he'd be able to perform some minor dental work on your fronts, as well as amateur plastic surgery in your face if you attempted to touch him. J'ai rien compris, c'est pareil, j'arrive pas... Donc L1, ça fait ça. Ah, c'est pour parler, L1. Attendez, L1, R1, là. You play around with it, but nothing seems to happen. Bon. You play around. Alors L1, voilà. It doesn't understand what you're saying. Il entend pas ce que je dis, c'est ça. He doesn't understand what you say. Bon, d'accord. Donc c'est les petites bulles pour leur parler. Bah la petite femme là qui arrive va peut-être vouloir me parler. Oh, hello, my lord. Oh, well, then, hello. Bon, de toute façon, je vous dis, je vais pas pouvoir avancer beaucoup. Je vais faire ce que je peux hein, dans cette petite vidéo. I must be on my way now. Take care. It doesn't talk back. You have nothing. Bon. Et pour se battre... Just as you start... D'accord, donc en fait on change avec rond, on... voilà, avec rond là ça doit être pour combattre. Je rappuie, c'est pour se déplacer. Là je sais pas ce que c'est. La magie peut-être, je sais pas. The ground is compacted, rock hard, obviously from heavy use by the townsfolk. Around the edges of buildings and walls, sparse amounts of grass grows. Ouais, je comprends pas. Et là ça va être je sais pas, pour montrer quelque chose, non? From the looks on his arms and the hammering... Ouais, pour regarder ce que c'est que comme objet. Est-ce que je peux aller the là? Door is locked. La porte est fermée. Bon. Whatever it is you're trying to do doesn't seem to be working. Ben, je sais pas ce que tu me dis, mon pépère. Moi, je connais pas. Je parle mal. You try with all your might. Je ne comprends pas. Ça va être difficile hein, de jouer un jeu comme ça où on comprend pas. Je peux pas aller plus par là. Ça, je vous dis, c'est une petite présentation aussi, je peux y aller. Ah, apparemment, ça brille ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je passe par là? Je vais faire ce que je peux hein, dans cette petite vidéo. Et encore une fois, dommage qu'il ne soit pas traduit, parce que moi, j'aurais bien aimé, moi. C'est... You rub your hands all over your... Ouais, tu peux pas y aller. Si, si. Alors... Just talk to him. On va aller lui parler à lui. Je sais pas ce qu'il va pouvoir me raconter. Mais... Ah ouais. Ah ouais. We're on a sea, are we? Prospero. We're all adrift in some way. How insightful. Allow me to quote that in my book of Who Cares. Now, young man, is there something I might help you with? Who are you? Goodbye. Ah non, je réponds, voyez. Il y a des choix de dialogue.
Bon, qui, who are you? C'est qui es-tu, c'est ça? My name. Well, you may call me Prospero. I make it most of the town calls me Mr. Magic. It amuses them. Who are you? Ask Bat Magic. Donc lui parler de la magie. Magic. Well, that's quite a discussion. Perhaps we can converse about it when we have more time. J'aurais bien aimé essayer s'il y a des petits combats, vous montrer un petit peu les petits combats. Ce que je vous dis, malheureusement, la langue va faire barrage. C'est un jeu, je ne pourrais pas continuer. And we'd better not be late. Rayford gets into quiet at his ear about these things. Ask Bat Magic, où are you? Bah non, là, on a... Goodbye. Bon, bah... It doesn't talk. Kill Pel... Bon, bah, il n'y a plus rien à faire, alors. Non. On peut pas aller par là. You can't go up these stairs into Prospero's person. Oui, bah oui, je vais... Bah, on va reprendre la porte, alors. Ah, il veut pas prendre la porte. Ah, faut peut-être que j'appuie comme ça. Ouais. Bon, bah écoutez, on va... Ouais, faut... Ah bah tiens, il y a la femme qui revient. Est-ce que je peux lui faire la my lord. Oh, well, then, hello. I must be on my way now. Take care. Bon, donc faut que je change en tout cas ces ronds, vous voyez, comme ça pour avancer. Quand ça, je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour franchir une porte. Là, avancer. Bon, on va aller par là. Alors, on va essayer. Je vais voir si je peux aller là. You'd knock on the door, but you really have no desire to. D'accord, on peut pas y aller. Non, mince, tac, tac. Là, le puits. Est-ce qu'on peut aller regarder? You don't want to fuss with the well right now. You don't need water, and frankly. Bon, ok. On va passer par là. Ah, c'est dommage. Moi, je suis déçue que ce jeu ne. Non, on peut pas passer par là. Si. Que ce jeu ne soit pas en français, hein. Ça, je suis très déçue. Alors, toi, on va te causer. Good afternoon, fair trader of smoked goods. Aha, good afternoon, young master. How are you? Better now that I know this place is here. Ah, thank you. I am Armand, purveyor of the finest tobacco and smokable leaf in all the lands. You can call me Rohan. And indeed I will, Mr. Rohan. Be assured, every item in here is of the finest quality. I have selected my imports by hand, and any purchase you make shall be a wonderful delight for you to enjoy in your leisure time. I'm a big fan of leisure time. Here, try a bit of these. Ah, il fume la pipe, c'est ça? Bon. That is delightful. Ah, yes. Imported Kenmati leaf from the realm of Anengoti. The finest. I must... Close up for a moment before the execution, but please stop by again and we can discuss the finer things I have to offer. Sounds excellent. See you soon. Bon, et puis toi, qu'est-ce Everything que tu as... in here is amazing, sir. I highly recommend the Sir Dave's Romerio blend. Ouais, bon, t'as rien à me dire. The council is too heavy to pick up. Bon, bah, t'as plus rien à me dire, alors je pense qu'on s'en va, c'est ça. Ah, qu'est-ce que... Bah, je ressors. Attendez, je vais regarder, il n'y avait pas qu'une autre you porte. You rub your hands all over yourself like a showgirl. Il n'y avait pas une autre porte. Ouais, c'était dans le fond que je voulais aller voir.
Là. You can't go through the curtain. Non, 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 it would reveal. Bon, bah, on s'en va. Hein. Je suis allée ici. Alors. Hello, young master. Welcome to the Owens General Store and Meat Emporium. Butcher shop. Meat Emporium sounds like a whorehouse. Oh, you'd know a whorehouse, wouldn't you? Maybe. I found you in one. You were the chamber pot boy. You were the chamber pot. I love you, dear. Love you too, honey bunny. Well, this is lovely. Hey, you tried running a store with your significant other. You have to do something to keep yourself from going nuts. Understood. Well, we're just about to close up to go to the execution. So if you need something, just stop on back afterwards, okay, honey? Will do. You too. Stay pleasant. Bon bah ouais, c'est dommage hein, on comprend pas, moi je comprends pas le they scénario. They said to come back later. You should probably leave them alone for now. Bon, sauf qu'elle veut plus, me parler. They said to come... Ouais, ok, bon bah. Ils veulent plus me parler. Oh, il y a un petit chat. You engage in a conversation with the... Bah écoutez, je parle aux animaux. I'm quite sure she just told you to piss off. Bon, forcément, c'est un jeu qui, de toute façon, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais moi, bah, je vous dis franchement, un RPG rétro, s'il avait été en français, c'est un jeu qui m'aurait bien plu. Alors, je crois que je viens de par là. Alors, attendez, je vais essayer de retourner par là. Non, ici, j'y suis allée, là. Non. Ouais, j'y suis allée. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, il faut que je continue par là. Voilà. Donc, je visite, hein, je vais dans tous les bâtiments, mais de toute façon, je connais, je sais pas trop the ce qu'il faut faire. The door is locked, but there is a man over in the garden. Perhaps you should talk to him. Ah, il est dans le jardin, c'est d'accord, c'est le. Ça doit être le là où le propriétaire. Hey, you in the garden. Who? Me? Bah oui, toi. No, the other fella in the garden, the one with the gnomish hat. I don't see. You got me. Good fun. Good fun. How's it going in there? Not bad. Just trying to pick some herbs for some potions I'm making up later. People always start worrying about their health after an execution. With good reason. Though I don't suppose you have a potion that reattaches a head in a day. Oh, my goodness. Don't be silly. Oh, that's funny. Oof. Ah, I am Jared Smyrna, pharmacist. I'm Mr. Roem, professional raconteur. Well, I'm pleased to make your acquaintance. Likewise. Well, I've got to get finished up. Got to get to the execution soon. Yes, indeed. Yes, please, come by the shop sometime. There's lots of neat things in there. I bet they'd be of use to a man like you. We'll do that. Farewell, sir. Bye. Bye. Bon, on n'a plus rien à se dire, en fait. Donc, non, je peux pas aller... The door is locked. Bon, d'accord. Oui, oui. Bah, on va aller par là. Ah, un cheval. Est-ce que je peux partir à cheval, moi? Bon, on va lui parler au cheval. A horse is a horse, of course, and no one can talk to a horse, of course. Ah bon, il veut pas parler au cheval? Oh. Yep, you're going to dunk your head in that. Or worse, drink it. Keep moving, villain. Bon.
qu'il n'y a rien ici. It doesn't talk back. On va aller là. Non, c'est vrai qu'il faut appuyer comme ça. This door is pretty solid, and you're quite sure it has an advanced lock on it. It is, of course, locked to keep the likes of you out. Bon, tu peux pas y aller. On va par là. Ah, j'arrive dans la caverne. He ignores you. Perhaps you should talk to the man on the other side of the table. Bon bah s'il m'ignore tous, elle va pas m'ignorer. Askebat, bye, ah je peux acheter. Bon on va lui parler. Taverne, oui c'est la taverne. Welcome to the Jolly Roger Inn. Home of ales and lager. Occasionally we get some whiskey in here. Nothing fancy, stranger. Sounds fine to me. Well, it better. You're out of luck if you're looking for anything better around here. Je parle de... Qu'importe hein, de quoi je lui parle. De toute façon, je comprends rien. Alors, He's all right. Can be a right bastard. Don't like public drunkenness or fights. He can crack a skull or two. He's a big bastard, ain't he? Ah, the lads are good guys, farmers they are. They drink their crops. I'm a lonely bartender in a small town. Are you up? Are you here to save me, eh? To save pour sauvegarder? Ben non, quitte. Quitte pour sauvegarder, ah bon? Ben on va faire bail. Kid single, what we? Ouais, mais j'ai pas. Est-ce que j'ai de l'argent? Alors comment je fais pour acheter? Ah, je donne de l'argent là pour acheter ça. Bah, je sais pas. Hein. Ah si, on dirait j'ai. Oh, bah c'est de l'alcool. You pay her and begin to sip your drink. It's as refreshing as you hoped it would be. Six or seven of these and you might get as giddy as a Lunarian whore. Je sais pas comment sauvegarder, mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque je vous dis c'est juste une présentation de jeu. Alors, no, I've been here for weeks. You got a problem, pal? Yes, the only problem I have, friend, is that the amount of nose hair you're sporting. You're trying to catch boogers as a hobby. You're quite the smartass, friend. You're lucky there's an execution in town and there's more guards around. Otherwise, you and I'd be having words. You're lucky I have a pair of tweezers. You're funny, friend. Let me buy you a drink. Hey, let me drink your drink. À boire. Ouais, de toute façon, si je peux pas sauvegarder, c'est pas grave, puisque je continuerai pas le jeu, et il est pas traduit en français. May we never face the gallows, or marriage. Come on by afterwards. Let's have some more drinks, and talk about things. Ah bon, on peut pas. Je croyais qu'on pouvait aller sauver. Non, ce que je me disais, il y a peut-être une petite façon quand même de sauvegarder. Mais non. Hey, hands off the merchandise. Can't you see I'm drinking? Play your cards right and she might let you do that sometime. Doesn't understand what you're saying. Mm-hmm.
bah, on va reparler un petit peu à la petite dame, là. Et puis, on va partir de là. Askebat, bye. Pareil, mais acheter... Donc, j'ai bien compris. Non, est-ce qu'il faut vraiment faire... Ouais, il faut faire comme ça, non? Ah, ouais. Here you go, mate. Give me a blow and we're even. En train de se saouler you pay à chaque her fois. And begin to sip your drink. It's as refreshing as you hoped it would be. Six or seven of these and you might get as giddy as a Lunarian whore. J'aurais voulu quand même me voir un petit peu de combat, mais je pense que j'en verrai pas. There's beer in my glass. Is that a problem? Yeah, cause it should be in my belly. You are correct, sir. Drink up, eh? Bon. Bah on s'en va, hein. Alors je pense qu'il faut que j'aille par là. Hop. What a quaint and lovely place. You actually bet the rooms and beds are nice here. For a change. Bon, bah on va lui causer, on va voir. Hello there, stranger. Hello there, innkeeper. Castle's my name. This, as you may have guessed, is my inn. Lovely. Love the view. I do my best, and I promise the rooms are cozy. Excellent. I assume you'd be wanting lodging, considering the bridge to the north is all washed out for the moment. Yes, I suppose I'll be staying in town for a bit. Well, if I beg your pardon, we're getting ready for the execution. If you'd be wanting a room, come by afterwards and we can do business. Sounds good. Thanks. Bon, bah, je sais pas it doesn't talk back. Je sais pas ce qu'il m'a raconté, je n'en sais rien. You aren't crazy. Try talking to someone else. Bah écoutez, on s'en va. Ah bah non, il y avait une pièce, c'était là-bas la home. Attendez, j'ai vu que la femme elle allait dans une pièce. Est-ce que je peux y aller aussi? Je vais essayer. C'était ici. Whatever it is. Ah ben non, faut mettre ça alors. Voilà. You have no reason to go upstairs yet. Non, ben non, je suis pas là. On s'en va. J'aurais quand même voulu essayer de voir s'il y a des petits combats, quoi, parce que vu que je vais pas avancer beaucoup dans ce jeu, et pavé tactile, ça sert à quoi? À ça. Bon, bah écoutez. Hein. Oh, c'est dommage quand même qu'il l'ait pas traduit, hein, ce petit jeu. Ah, là, je peux plus passer, donc. Il y a forcément quelque chose à faire que je vais pas être capable de faire. Ah bah je reviens ici, d'accord. Bah je vais aller par là. Là je reviens dans le début en fait, hein. Je vais repasser par là. Sounds like a call to the execution. You probably better make your way back to town. Ça permet de voir quand même différents décors. Là, j'ai visité le village. Je sais pas, je vais par là, je sais pas. On peut pas hein, traverser l'eau, aller voir le petit chat là. Non. Non, c'est dommage. Encore une fois, je radote, mais.
Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit en français, parce que ça, je vous dis, c'est les jeux de mon enfance, quoi. Alors, est-ce que je peux entrer là ? The door is locked. Ah bon, d'accord. Bon. Bah, si the door is locked, on va continuer par là, alors. Well, isn't this lovely? It's a lovely little place with canoes and an old shed, but there's a giant hole in the footbridge across the water. Well, I sure as hell ain't fixing it. Not my job. Et si je vais là, et qu'est-ce qu'il y a dans la petite cabane? Ah mince, je me trompe de... There's nothing of interest to tell. D'accord. Bah on va aller par là alors, c'est ça, on va traverser le... Ah non, on peut pas traverser. Il y a un petit trou, ça l'embête. Et... Tu peux pas prendre un petit bateau? Two canoes are sitting on the bank of the rapidly flowing river, upside down to drain any excess water from them. You have no reason to take the canoes. Bon. What was your plan there? Carry it around. Tu n'as pas à prendre les canoës. Bah tu vas aller continuer par là alors. Tiens, vous voyez, j'avais pas vu ce petit écran quand je mets ça en haut. Il y a ce petit écran qui s'affiche. Bon, d'accord. Hello there. Ah, couldn't see you there. Been messing with this net for the last hour. Isn't that pond a little small for the net? Aye, it is. But I lost me pole just a bit earlier. Biggest catfish I'd ever seen hopped up and ate the bait and hook hole. Took off. Yanked the pole right out of me hand. Well, that's unfortunate. Sure is. It's me livelihood. That were the best pole I ever had. Who knows where that demon fish took it? They are crafty creatures. What are you talking about? They're as stupid as a pile of rocks. That one's just lucky. Bye, Askebat. On va lui parler de quoi? De. Bah, de la forêt. Je comprends rien, j'ai rien compris. The woods around Volksville are tranquil mostly. It's pretty safe near the town during the day. But there have been a few rickety goblins mucking about deeper in, near the waterfall and such. At night though, this little patch here to the north of town, well, there's something wandering around up there that just ain't right. Some kind of beast. Ouais, bah c'est tout bon les poissons. I sell them and I eat some. Bon. Et bye, alors qu'est-ce qu'on peut acheter? You have purchased an old fishing net. Je peux pas acheter ça? You have purchased a day's ration. Ah, je peux rien acheter en fait. Bon, bah génial. Et l'autre là, si je suis causé, est-ce qu'il va me causer? Hey. Hi. What are you doing? My work. I really gotta get to it, so I can't talk now. Sounds fine with me, son. Happy fishmongering. Bon, on va pas trop me causer en fait. Bon, on va dans la forêt, hein. Ouh, ça va être labyrinthesque parce que je sais pas où je vais devoir aller. Est-ce que je vais tout droit? Ah, vous voyez, tout quand je mets... Ouais, je savais pas quand je mets le curseur tout en haut. Alors, je sais pas... vu qu'il n'est pas traduit, le jeu, bah, je sais pas où je dois aller. After walking through the forest a bit, you come upon what appears to be the main entrance and foyer of a long abandoned and burnt down mansion. The place must have been massive. J'ai trouvé quelque chose. You see it stretch out to both the west and east. To the east, you note there being the ruins of what must once have been a beautiful garden. Écoutez, on va y aller, je sais pas ce que c'est, mais... Là, il y a une tablette.
Standing in this corner of the woods are the remains of what was once a magnificent old house. Whoever lived here was obvious. Little remains of the house now. You pause to consider what then you wonder if that sort of power is still around. De toute façon, je comprends rien de ce que tu dis. Alors. You rub your hands all over yourself like a showgirl. You think about an alternative career, should the need arise. Bon, on peut pas aller là où je voulais aller. Donc on peut pas continuer plus. Donc bah voilà, c'est un petit jardin, mais on ne peut pas aller ailleurs alors. Non. Bon. Il y a un petit minou qui est là, mais je suis sûre qu'il va pas vouloir me parler. It doesn't understand what you're saying. Ah, il n'entend pas ce que je dis, le petit chat. Et si je me rapproche de lui? You have nothing to say to that. J'ai rien à dire au chat, c'est ça qu'il m'a dit? Bah si, miaou. J'aimerais quand même montrer dans cette vidéo des petits combats quand même, s'il doit y avoir des combats quand même dans ce jeu. Ah! Il y a quelqu'un qui est pas en bon état. Well, he was wearing some armor, apparently not enough. Crikey, his damn head fell right off into the stump. Got to admit, that was equal parts cool and gross, as there were still a few rotting tendons holding it on. You peer inside and notice an old steel helmet, complete with horns. It's too bad this guy died, because he might have been a badass. You take the helm, figuring you could use it better. Ah. C'est passé quelque chose, je sais pas, c'est marqué que j'ai un objet. It doesn't talk back. Ah, alors attendez, tiens, j'ai ça qui s'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a d'autres positions, vous voyez. Là, il est debout, oui, accroupi. Ça, ça doit être mon inventaire. D'accord. Bon. Ah oui, il se déplace comme ça maintenant. Bon, alors attendez, je vais remettre une apparence un peu mieux quand même. Alors là, on va d'abord aller dans le haut. Par contre, bah pour les sauvegardes, je vous dis, nada, je sais pas. C'est vrai que dans les RPG, souvent c'est dans les tavernes, mais... This must have been someone's pride and joy once. A large hand-carved fountain and reflect... Bon, on a trouvé quelque chose, mais ça va pas nous faire sauvegarder, ça. Il y a un chemin par là-bas. Un cimetière là. Yep, it's definitely the door to the crypt. Bon. You rub your hands all over yourself like a showgirl.
You think about... En plus, on peut même pas rentrer... Because in no way is this abandoned house inside... The smell of musty cobwebs and mold hits you right in the face as you enter the old mansion. You see that it's quite dilapidated. Bon, ben... Ah merde, il a parlé, je lui ai coupé le... Je lui ai coupé le sifflet. Ah ben, je sais pas ce qui se passe, tiens, mince. Je sais pas ce qui se passe. Ring in the prisoner. C'est moi le prisonnier. Ah non, non, y en a un qui va se faire tuer, là. On va assister à une exécution, c'est ça? Ah oui, c'est encore une fois, ça me plaît ce jeu, mais c'est moi j'aime bien. Hein, ça me fait penser au jeu de mon enfance, mais le fait qu'il soit toujours pas traduit à notre époque. Krasna, in the kingdom of Lonaria, that here in the town of Volksville, I, J.S. Rayford, am here to carry out the sentence in the matter of the people versus the criminal Marcus Van Houten, who has been proven guilty of theft and murder. Does the criminal have anything to say? Let me head roll. I defended myself and stole to feed my own starving body. If this is life, then my head is better served up fresh on a pole for all you people. Very well. Marcus Van Houten, you are sentenced to death by the automatic blade. May the next life be better than this. As long as I don't have to look at your filthy face, Rayford. Your conscience is almost as filthy as my... Ah! Oh, pas bon, bah. Take his head, tar it and c'est put it on a bike outside town to warn others of our justice. His headless body to a crow's cage to be pecked clean. And thus it is for criminals here. I will not tolerate them in my jurisdiction. Do you understand? You are all witnesses here today. Guillotine. Rayford would like to see you in his office. Hello there. You're a visitor to our town, I take it? Yes, you're a visitor. Why, yes, I am. Just admiring the beauty of the area. The river is quite the sight. Yes, it is, stranger. Yes, it is. Might I have the pleasure of your name? Yes, my name is Mr. Roam. Mr. William Roam. Pleasure. J.S. Rayford. Town Magister. Pleasure. Well, I have some matters to attend to. Please stop by my office later. I'd love to chat with you some more. Sounds good. Good evening, lawman. Good evening, Mr. Roam. What an asshole. Hello. Well, since it looks like I'll be here a while, I should try to make a friend or something. Le souci, c'est que vous voyez, je sais pas ce que je dois faire. Je retourne là. The door is locked. Bah oui, the door is locked. Tout le monde fait dodo. Tout le monde fait dodo. Hello there. What, mate? What can I do for you? Oh, Gorf's a prat. If he ever pesters me, it's usually for a blight to get a sausage or something. I just hand him one to shut him up. Frankly, I think he's dumb enough to get himself... Bon. Nice to meet you, friend. Goodbye. Bon, bah, je sais pas ce que je dois faire. J'aurais bien aimé quand même faire une petite sauvegarde, même si... Il est fort probable que je ne continue pas ce jeu.
The door is locked. Bon. Parce que bah, si je ne continue pas, hein, c'est juste à cause du barrage de la langue, hein, encore une fois. Ah bah tiens, t'es là, toi. Nice night, eh? Yes, it is. Clear night. Always is after a man's been executed. Nasty business. It certainly is. How can I help you? Bye, bye, bye. Ah bon. Ouais, normalement, on doit pouvoir acheter un cheval par la suite, je pense. This door is pretty solid, and you're quite sure it has an advanced lock on it. It is, of course, locked. Est-ce que c'était là la caverne? La taverne, pas la caverne, la taverne. Friend, come on over, have a... Ah, look at this fella. He looks too handsome to enjoy a drink. Yeah, let's get him some apple juice. S'assois d'office. I'll take some milk. From your mother's breast, again. I always go back for a second. Now, bust your lip for that, mate. Shut up. You piss yourself trying. He's a good guy. Boys, this is Mr. Rome. Rome, meet the boys. Hello, gentlemen. We're just having a few pints. Please, join us. Sounds good. Why don't we have some fun? You up for a drinking contest? I'm always up for a contest. And I'm always up for a drinking. Sounds good to me. Splendid. All right, the rules are, drink these bites until you can't drink no more. Prepare to change your religion, sir. Drink pas up ou give up? On va mettre give. I think you've had enough. Je sais pas ce que c'est. Ah bah il danse. Regardez. On dirait qu'il a dansé, non? On va faire une belle petite danse. Play your cards right and she might let you do that sometime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'aurais bien aimé savoir comment sauvegarder. I'm a lonely bartender in a small town. Are you here to save me, eh? Tu sais, veux-tu me sauver? C'est pas pour sauver. C'est pas pour sauvegarder la partie, je pense. He's a big bastard. Goodbye, sir. C'est quand même bizarre hein, que je sache pas comment sauvegarder. Ils disent rien. You don't have any magical ability. Là les stats de je sais pas quoi parce que j'ai pas fait grand chose. Ah puis en plus AX, d'accord. Mais comment on sauvegarde? Là, ah tiens, là c'est les paramètres, voyez la musique. Ah oh, ça doit être ça pour ce new save. Ah d'accord. Donc normalement j'ai sauvegardé, c'est là en fait dans les options. Ouais c'est là. Hein. Il y a même la musique que je peux baisser, tiens, parce que elle me saoulait un petit peu. Et ça, ça c'est quoi? Parce que je le fais, hein, je sais pas ce que c'est. Alors, auto-fine, non, bah je pense que 12h13, c'est bien ça. Ouais, donc ça a sauvegardé. Ça a sauvegardé. Voix
Attendez, voix texte. Ah non, text only. Voix only. Voix plus texte. Non, je pensais que ça allait mettre qu'on allait pouvoir choisir les voix en français. Mais non, donc voyez, c'est là les options déjà. Donc pour sauvegarder, c'est là. Et si je veux faire new save, je fais comme ça. Et si je regarde après. Ah bah oui, bah j'ai, ouais, bah j'ai 36 sauvegardes là maintenant. D'accord. D'accord. Et ça, delete. Voilà. Donc voilà, j'ai sauvegardé. Ok. J'ai sauvegardé. Bah écoutez, on verra, hein. Peut-être que je referai une vidéo dessus, on verra, c'est dommage encore une fois. Dommage que le jeu ne soit pas, ne soit pas traduit en français, parce que c'est... J'aime bien moi ce style de jeu, alors je verrai, hein, je verrai. Ah bah tiens, puis quand j'appuie sur Start en fait, ça m'a mis ça sur Start, ouais. Par contre, je peux pas retourner... Je ne peux pas retourner à l'écran titre, apparemment. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là hein, pour cette petite vidéo découverte. Encore une fois, c'est dommage, dommage, parce que moi, j'aime bien ce style de jeu. Hein. Après, faut aimer, c'est un jeu, un RPG rétro, hein, donc de l'époque. Hein, les anciens joueurs comme moi ont connu ce genre de jeu. Mais bah c'est dommage qu'il soit pas traduit parce que c'est quand même un frein pour jouer quand on maîtrise mal l'anglais quoi. Voilà, donc c'était Quest for Infamy, un jeu qui sort le 4 mars 2022. Au jour où j'enregistre cette vidéo, hein. De toute façon j'ai pas le droit de la publier puisqu'il sort le 4 mars et il y a un embargo. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas, donc je connais pas le prix, hein, je peux pas vous le donner. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde !